Pour enrayer cet engrenage, Henri Desgranges fonde les équipes nationales. Les vélos seront les mêmes pour tous les coureurs, puisqu'ils seront directement fabriqués par l'organisation du Tour. Tous les hébergements, les soins, les massages seront également à la charge de l'organisateur. Cet esprit d'équité redonne un souffle immense au Tour, et peut-être aussi du baume dans le cœur des sportifs. Mais cela coûte cher. Inspiré par le directeur des chocolats Meunier, Henri Desgranges lance le concept de la caravane publicitaire. La caravane rejoint l'épopée des héros et le Tour devient une extraordinaire fête populaire, gratuite, apportant à chacun cette indispensable nourriture terrestre, l'émotion.